choses doivent être à la fois présentes et absentes. Les sons n'ont ni fin ni commencement. Les uns naissent, les autres meurent. Les uns se couchent, les autres se lèvent. Ils s'écoulent indéfiniment et miraculeusement. Les sons imitent confusément les vivants qui pullulent. Et comme la musique de la forêt qui n'a pas de matière, ils se propagent et se manifestent sans se forcer. Ils résonnent obscurément et silencieusement. On peut les considérer tantôt comme morts, tantôt comme vivants. Et s'aperçut avec étonnement qu'il était Tchéou. Il ne sut plus si c'était Tchéou rêvant qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il était Tchéou. Entre lui et le papillon, il y avait une différence. Thank you.
Cela s'appelle le vent. Le zéphyr produit une harmonie mineure, la bourrasque, une harmonie majeure. Thank you.
Qui sait ne parle pas. Qui parle ne sait pas. N'avez-vous jamais remarqué la musique de la terre ne diminue que très doucement.